Abouassou fait partie du royaume Sanwi et le nom provient des Bouignansou qui signifie en ongani sur la pierre. Elle est située au sud-est de la Côte d'Ivoire à 116 km d'Abidjan. Abouassou est la capitale du Sud Komoé. Le peuple dominant et propriétaire des terres est l'ethnie Ani Sanwi appartenant au groupe Akan. Les langues parlées sont l'Ani, le Dioula et le français. C'est dans cette localité que se trouve un opérateur économique, un homme au grand cœur, humble et sociable, Monsieur Napon Abou, connu sous le surnom d'Abou Univers, qui fait la joie et la fierté de cette localité par ses actions généreuses. C'est dans cette optique que la population a témoigné des bienfaits de cet homme au grand cœur. Seulement, ça fait ma deuxième année à Bosse-Ci, mais ils ont tant parlé de lui, mais moi-même, j'ai constaté ça. Même si on a pas changé, mais c'est que vraiment, c'est quelqu'un de bien. Bon, un homme qui donne l'emploi à la jeunesse. Moi, chez moi, il n'est pas mauvais parce qu'il fait beaucoup de choses qui sont très importantes. Personnellement, il me rend beaucoup de services en griffe. Voilà. Pour la jeunesse aussi, il pose beaucoup d'actes. Souvent, quand je suis malade, quand je l'approche, il arrive à gérer mes ordonnances. Bon, j'ai entendu son nom qu'il aide beaucoup d'hommes à Boisseau ici. Nouvelle. C'est notre frère, il a gentil. Il travaille. Sans lui, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de travail. C'est grâce à lui que beaucoup de jeunes gagnent manger pour donner leurs enfants. Grâce à lui, les femmes gagnent aller au marché. Sinon, il n'y a pas de travail. Tout le monde, les jeunes, beaucoup travaillent avec elle. Donc, à bonne nouvelle. On est ensemble aussi. C'est quelqu'un que je le connais. Il n'a pas de problème avec quelqu'un dans la ville d'Abosso. Il aide beaucoup les gens. Et M. Abou Nouvel, c'est mon voisin. Il a aimé de m'aider beaucoup. Donc il dit de faire des devises de ma maison pour lui donner. Hier, j'ai fait les devises, plafonnage, électricité, carreaux. J'ai fait tout ça, les devises pour le donner. Il dit, Inch'Allah, il va m'aider à finir ma maison. Vraiment, qu'il n'a qu'à avoir la foi en Dieu. Voilà, il n'a qu'à avoir la foi en Dieu. Vraiment, j'ai prié beaucoup pour lui, et pour sa famille et pour son entourage. Il donne sucre, des fois il donne un maïs, en fait bouillir pour donner à le musulman chaque soir, pour couper le carême chaque soir. Comment ça, Boisseau, tu vois ici, il est ouvert à tout le monde. Il est gentil avec tout le monde. Il n'a pas de problème dans le quartier. À vous, Nouvelle, ce qu'il a fait pour nous, vraiment, c'est Dieu même qui va lui payer. Regarde ce qu'il a fait. Tout ce travail qu'il a fait. Regarde la maison de l'imam. Il dit, il va finir. Il dit, l'imam, il faut compter sur moi. Il faut prier pour moi. Mais ta maison, il va finir. Il va faire une bonne maison pour toi. Quand les gens viennent, on sait vraiment que c'est la maison de l'imam. Maison de l'imam. Et puis, chaque fin de mois de carême, c'est lui qui donne sucre à tout le monde ici. Il fait bruit pour donner à la mosquée ici. Je crois 30 jours. Vraiment, c'est quelqu'un, il est gentil. En effet, pendant la période de Ramadan, Abou Univers offre des vivres et des non-vivres à la communauté musulmane. Suite au don d'Abou Univers, l'imam central, Mamadia Kité, prodigue des bénédictions à l'endroit d'Abou Univers, cet homme plein de bonté. Nous sommes dans le mois de carême. Chaque année, notre frère Abou Nouvel fait des dons pour nous. Avant ça, Monsieur Abou Nouvel, il aide beaucoup les gens sur le plan social. Il y a des gens qui viennent avec les ordonnances, il les aide. Vraiment, c'est quelqu'un qui est très très bien
il est très ouvert à tout le monde, sans distinction. Donc Abou Nouvel, c'est quelqu'un, nous sommes voisins. Vous voyez ce qu'il a fait pour le quartier ici. Ici, tout était la boue, mais il a bitumé ici. Il a fait ici, c'est devenu propre. Chaque année, M. Abou Nouvel, il nous fait le don. Beaucoup de dons. Abou, il donne à tout le monde. Chaque année, il donne, il aide les gens. C'est pas fou. Certains collaborateurs n'ont pas hésité à rendre hommage à Abou Univers pour ses qualités et son dévouement à l'endroit de la jeunesse d'Abouasso. Monsieur Abou, c'est d'abord un grand frère, un ami, mais aussi comme un père pour moi. Parce que je suis arrivé à Abouasso en 2009. Par l'intermédiaire d'un ami, je l'ai connu. Et depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on a parcouru beaucoup de choses. Petit Abidjanais, j'arrive à Abouasso, une petite ville. Il faut dire que c'était un peu difficile. Mais grâce à Abou, Abouasso est devenu intéressant pour moi. Que grâce à lui, à sa générosité, à véritablement sa main sur le cœur, il m'a pris comme son fils, comme son frère. Donc, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Il ne désigne pas sur les moyens. Quand il s'agit d'aider les plus démunis, quand il s'agit d'aider les gens même qui ont de l'argent, mais qui viennent vers lui, qui ont des projets, qui ont des activités, il essaie, tant bien que mal, de les aider. Par exemple, pendant les vacances, il n'est pas le maire ni le député de la ville. Il anime la ville avec ses activités socio-culturelles et sportives. Monsieur Napon dit à Abou, ne fait aucune différence d'ethnie, de race, de religion, encore moins de parti politique, parce que même il est apolitique, il ne fait pas de la politique. Moi-même, je suis bété de Saïwa. Aujourd'hui, je suis avec lui, quelqu'un qui est d'origine burkinabé. Et moi, je dis qu'il est ivoirien, parce qu'il a ses enfants ici, il a sa femme ici, il a ses investissements ici, et c'est ici qu'il fait plus de soucis. Ce monsieur, en tout cas, il est humble, simple. Moi, ce qu'il a fait pour moi, en tout cas, je remercie l'éternel Dieu, parce que moi-même, mes parents n'ont pas fait ça pour moi. Je suis arrivé, et ce monsieur, j'ai eu un problème. Et je suis allé vers papa Abou Univers. Je dis, le père, aujourd'hui, j'ai tel souci. Et le problème de ma maison. Il m'a dit, mais mon fils, si toi tu as un problème de maison, c'est que tu n'es pas venu voir Abou Univers. Automatiquement, le monsieur a compté au moins 55 000 qu'il m'a donné. Il dit, va régler tes problèmes. Et les 55 000, j'ai pris pour régler mes problèmes. Étant réglé mes problèmes, bon, en tout cas, j'ai vu que la jeunesse, tout le monde, on s'est mobilisé, on a dit que non, ah, en tout cas, ce monsieur, en tout cas, il est bien. Il a un cœur blanc, un cœur positif, un cœur croyant. Et beaucoup, de la manière, il croit en Dieu. Et c'est comme ça aussi. Et nous aussi, on le croit. Et à travers l'éternel Dieu, je voudrais que Dieu fasse de sorte qu'il puisse allonger encore. Parce que je ne peux pas lui donner grand-chose. À travers ma voix, avec mon cœur, et l'amour qui tient pour nous, et cet amour, il faut qu'on le partage avec lui. Parce que mine de rien, ce n'est pas un politicien. Non. Celui qui dira à l'étude, c'est-à-dire les ont dit, on n'a arrêté ça. On n'est plus dans ça. Le moment, c'est le moment d'évoluer. Abou Univers, tranquille. Moi, je suis fier de lui. Voilà, c'est mon papa. Je suis avec lui quand on sort. Il sort, il voyage un peu, je l'accompagne dans les besoins, il n'y a pas de problème. C'est un monsieur qui a fait beaucoup pour moi. Vraiment, je ne suis pas gâté son nom. Il est marié une femme, Annie d'Abouasso. On l'a adapté à lui comme notre frère. On a eu lui matin, midi, soir. Tous les jeunesses d'Abouasso, on est avec lui. Tout ce qui est comme les maracanas, les vacances. Il n'y a pas quelque chose que tu vas entreprendre sur Abouasso, que tu t'adresses à Abou pour soutien. Il ne va pas faire face. Abou a fait beaucoup pour les populations, que ce soit à l'hôpital. Devant moi, une fois, j'étais du passage et j'ai vu un monsieur qui courait, qui s'approchait d'Abou. Et sa femme voulait accoucher. Le monsieur voulait 50 000 francs pour aller faire opération de sa femme. Si Abou n'avait pas donné sur l'argent, sa femme mourrait. Il m'a remis l'argent d'aller voir sur le lieu si fréquemment sa femme est gravement malade. Le monsieur est rendu sur le lieu, je suis allé à l'hôpital.
et j'ai trouvé la dame, en tout cas c'était grave. Le monsieur demandait 600 000, mais par fusion était dans 200 et quelques mille francs comme dépense. Et Abou n'est pas remis sa tête, Abou a tout fait pour payer les ordonnances pour livrer la femme à l'hôpital. J'ai un monsieur que le camion l'avait cogné sur moto, on devait couper son pied. Et Abou allait là-bas, il allait regarder le monsieur. Quand il a trouvé le monsieur, vraiment, lui-même, il était vraiment découragé. Et Abou a pris le gars, il est parti à lui à l'hôpital, ils ont coupé son pied. Abou, c'est quelqu'un, il a un bon cœur. C'est un monsieur qui est gentil. Dieu l'a déjà béni. Et j'ai pris Dieu pour lui, pour que Dieu t'aide toujours ce qu'il va te prendre dans sa vie. Il pose des bons actes. Alors, quand quelqu'un pose des bons actes, il faut le soutenir. Et actuellement, c'est le petit prince du Saint-Louis, du royaume Saint-Louis. Parce qu'il est social. Il aide tout le monde. Chaque année, à Kinjabo, dans le royaume Saint-Louis, qui est basé à Kinjabo, le roi envoie une carte d'invitation à Abou. Même au niveau de la jeunesse, il participe, il nous donne au moins 500 000 pour la jeunesse, pour qu'on puisse faire la bonne fête. Abou, c'est un homme, il est social. Abou, même, quand quelqu'un fait pitié, il n'aime pas. Même dans les prisons, au niveau d'Abosso, les habits, il paye, il nourrit les prisonniers. Suite à l'intervention de ses collaborateurs, ce grand monsieur au cœur blanc n'a pas hésité à nous faire part de sa vie et de ce qui fait de lui un homme sociable et humble. C'est Napon Béli Abdoulaye, dit Abou Univers que tout le monde connaît. Je n'ai pas des millions, hein, mais j'aime donner. Je suis quelqu'un qui partage. Voilà pourquoi mon nom a pris un peu partout, Abou Univers. Voilà, si quelqu'un est malade comme ça à l'hôpital qui vient, si je peux, je l'aide. Pendant le mois de carême, bon, bébé, je suis pour partager un peu, donner aux gens. Voilà, c'est le bienfait qui fait que mon nom est pris. Sinon, il n'y a rien de spécial. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'on est né avec. Il y a des gens qui ont des milliards, mais ils ne peuvent pas partager. Voilà, je suis né dans une famille pauvre, donc je connais le sens de quelqu'un qui n'en a pas. Il n'y a pas besoin que quelqu'un se déplace pour venir vers moi. À moi, mais en regardant, si ça ne va pas, moi je sais. Je vais vers les personnes, un sac de riz accompagné de sucre. Je dis bon, prends ça à toi de dépanner. Même il y a des élèves qui sont un peu, qui n'ont pas les moyens. Souvent je vais les voir, qui sont en train de pleurer. Je paye leur école. Allez, moi je me suis dit que non, c'est quelque chose que je suis né avec. C'est pas comme si j'ai des milliards, hein, mais je suis né avec. J'aime partager, j'aime le football. Donc j'ai organisé les tournois de Maracana. Chaque année, j'ambiançais un peu à Boisseau. Abou Nabo, Sadi Maga, Boisseau, Nitine Boy, Yewasso, Nipa Boy, Sabu, Babo, Kafusa, Nine Boy, Tine Boramami, Abinini, Alana, Kira, Tekeni, Mijia, Dodo, Tine.